Bonjour, Gisèle est en vadrouille, mais si vous glissez quelques mots à l'oreille du lutin répondeur, celui-ci saura bientôt lui répéter. À bientôt! Des fois, ça me gêne un peu que les gens qu'on dise « Ah, Gisèle, la petite fée, etc. » Bon, je préfère qu'on dise ça que la sorcière, finalement, mais... Une fée, c'est quelque chose qui n'a pas d'âge, c'est quelque chose qui vient de l'enfance et puis qui reste. C'est plutôt un état d'esprit, c'est plutôt une façon de prendre la vie de façon espiègle et puis sans trop se prendre le chou. Moi, j'aime bien partir à la cueillette d'idées dans la nature. La nature, elle a une imagination sans borne, beaucoup plus grande que la mienne, et puis justement, qui me surprendra toujours. Même si tu connais déjà plein de choses dans la nature, il y a toujours une forme, une couleur, une association de choses qui fait que tu te dis « mais c'est pas possible, quoi. Comment elle a pu inventer cette chose géniale, quoi ?» Que ça soit les plantes, les animaux, et les matières, elles sont vivantes. Parce qu'elles parlent, elles bougent, elles sont changeantes, elles ont des caractères. C'est vraiment des personnalités fortes. Et puis moi, j'essaye d'entrer en dialogue avec elles, ou en tout cas en écoute. Les histoires que j'illustre, c'est vrai qu'elles ont souvent un rapport assez direct avec la nature. C'est vrai que tu peux voir des choses dans la nature, dans une forme de feuille ou dans une bête qui passe, ça te raconte quelque chose. Mais du coup, le dessin, il y a le côté magique qui fait que tu peux juste tordre un peu le bout du nez de la réalité pour juste raconter ce que moi, ça m'a raconté en voyant cette chose-là. Alors, c'est vrai que je suis née dans une famille, enfin dans des familles, parce qu'il y a la famille de maman puis la famille de papa, qui sont des raconteurs, qui sont des conteurs. À leur insu, comme ça. Mais c'est vrai que si on voyait justement du lichen, des sortes de mousses comme ça, un peu grisâtres, qui traînassent, qui se sont fait emporter par le vent, puis qui restent crochées à un arbre, grand-papa nous disait que c'était de la barbe de petit nain. Et puis, déjà, il disait que c'était de la barbe de petit nain. Il y avait le ton avec... Alors, il ne va pas nous raconter toute l'histoire d'un nain qui se promène et qui croche sa barbe dans le tronc et tout ça. Mais juste de dire « c'est de la barbe de petit nain », c'est le début d'une grande histoire qu'on pouvait se fabriquer nous-mêmes dans notre tête. Donc, je pense effectivement qu'ils ont tous été des semeurs d'histoires. Voilà, ça c'est du... Oh, ça c'est la position, ça. En gros, tu viens pas faire là. Hein? Voilà. Ouais. Jusqu'au bout, là. Voilà. Oh, t'as de beaux yeux. Oh, je suis au ventre aussi. Tu peux pas au ventre. Vivre à la coudre, c'est avoir la chance de pouvoir vivre... au cœur des saisons, du temps qui passe, je sais de quel côté vient le vent, donc de comment je devrais faire mon feu. La forêt, elle vient gratter à la porte de la maison, on entend gueuler les chevreuils, il y a la chouette hulotte qui raconte des trucs. Maintenant, justement, c'est la saison où elle s'en donne à cœur joie pour faire venir l'hiver.
Et puis du coup, ça rythme ma vie. La coudre, c'est aussi un personnage. C'est un peu comme, comme une grande dame un peu, qui a posé ses bagages ici en pleine campagne. C'est une dame avec un peu de, qui a un peu des manières. C'est une dame un peu farceuse aussi, la coudre. Elle a plein de petites énigmes qu'on n'arrive pas forcément à résoudre. Elle a des petites attrapes un peu partout. Je ne sais pas si j'ai choisi ce lieu de vie ou bien si c'est le lieu qui m'a choisi. C'est un peu comme les chats. Je crois que les chats, on ne les choisit pas, c'est eux qui nous choisissent. C'est un lieu qu'il a fallu un peu apprivoiser. C'était un lieu inhabité depuis longtemps. Donc du coup, c'était un peu la Belle au bois dormant au début. C'était arriver dans la maison, débarrasser les vieux tiroirs qui étaient encore remplis des affaires des anciens habitants de ces lieux. C'est mon lieu de travail, ouais. C'est vrai que ça, ça change aussi le rapport qu'on peut avoir avec l'endroit où on habite. C'est vrai qu'à chaque fois que je dessine, ou en tout cas, il me semble la plupart du temps, je me raconte une histoire dans le dessin. Mais c'est peut-être parce que justement, c'est un travail qui, chez moi, prend du temps. Alors j'ai le temps de me les raconter, ces histoires. Tu te considères comme une artiste ? Non, les artistes, ils ont des grandes choses à dire. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Les artistes, ils ont un... Enfin, dans la vision que moi j'ai d'un artiste, hein, je sais pas, c'est peut-être un peu caricatural, mais un artiste, il va dans les galeries, puis il a toute une démarche artistique qui veut dire quelque chose de ses tripes ou de je sais pas quoi. Et puis, moi justement, j'aime bien rester dans les choses légères. Donc, il me semble que je suis trop légère pour être une artiste. C'est vrai qu'il y a des jours, si tout à coup plus personne n'y vient travailler autour, dans les champs, les cultures qui sont là, il m'est arrivé de passer 3-4 jours sans vraiment voir quelqu'un qui arrive jusqu'ici. Puis tout à coup, je me dis, oh là là, Gisèle, t'as parlé cheval, t'as parlé chat, t'as parlé chien. Maintenant, je parle un peu cochon, mais ce serait le moment que tu descendes pour aller parler avec quelqu'un. Il y a quelque chose de créatif dans le jardin, justement. Tu mélanges des fleurs avec des légumes, tu mets du haut avec du bas, tu mets des plantes qui se répondent. Il y en a une qui dit ça, l'autre, elle va répondre ceci. Cet été, il y avait 9 chenilles macaon qui rongeaient mon fenouil sauvage. Là, c'était génial. Enfin, les histoires, elles sont toujours et partout, ouais, c'est sûr. Tiens, là, il y a quelqu'un. Voilà. Un joli ver de terre violet. Et puis d'ailleurs, il est très étrange celui-là. Alors on se dit, mais d'où il sort? Où est-ce qu'il va passer l'hiver? J'aime pas me dire militante de la nature. Ça sonne dur, ça sonne quelque chose. Il faut faire ci, il faut faire ça. Je préfère une approche plus sensible. Ouais, laisser le moins de traces possible. Mais comme elles sont bien élevées. Salut! Alors, coquine. Hein? On va commencer par les oreilles. Là. J'aime bien, c'est qu'après, elles sont toutes propres, puis c'est moi qui suis toute seule. Ah ouais, chacun son tour. Là, les fesses. Alors, Gisèle, c'est notre voisine. C'est un peu notre troisième fille. On est très, très, très amis avec. On a complètement oublié que c'était une fribourgeoise. Elle est devenue de la coudre à son fourceau. Non, elle est vraiment... Elle est de chez nous. Opa. Opa. Les oréanges. Ouais, les oréanges.
Moi, j'ai des fois un peu tendance à partir un peu dans les airs. Je m'envole dans mes petites histoires et mes petites fanfreluches. Et puis lui, il a un côté qui me ramène au sol, et puis mais dans le bon sens du terme. Est-ce que pour vous, Gisèle, c'est une écolo ? Oh, je dirais qu'elle est tout ce qu'il y a de plus normal. Écolo, non, non, je crois pas que pas très écolo. Elle est normale. Disons, on n'a pas toujours le même point de vue. Alors là, peut-être qu'on n'a pas toujours le même point de vue sur les animaux sauvages. Quand on parle de blaireaux, c'est un sujet que peut-être on effleure, on va pas plus loin, disons. Parce que moi, les blaireaux, je trouve que quand j'en ai, l'automne passé, j'en avais 9 sous mon noyer. J'aime bien les blaireaux, mais je trouvais qu'on en avait 3. Tandis que Gisèle, elle est contente de voir beaucoup de blaireaux. Voilà, c'est tout. Oui, je me sens gruyérienne. Mais une gruyérienne qui regarde tout autour. Si on y revient, ben, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vibre dans les chaussures, qui vibre pas forcément ailleurs, même si c'est très beau. Ça vibrera toujours à quelque part, mais pas exactement au même endroit dans le corps, quoi. Ici, c'est quelque chose... Je sais pas si c'est quelque chose qui est rassurant, quelque chose... C'est chez moi. Moi, ça m'inspire beaucoup, parce que dans la gruyère, je trouve deux facettes qui me confortent beaucoup. C'est d'un côté une douceur, et de l'autre côté quelque chose qui est un peu plus croche comme ça, qui est un peu plus sauvage quand même, même si c'est vrai qu'il n'y a plus énormément de sauvages en gruyère non plus. Mais en même temps, ce que j'aime dans la gruyère, et ce qui fait aussi que je me sens bien là-dedans, c'est qu'elle est très mystérieuse, et puis qu'elle a toujours des surprises à me faire découvrir. Heureusement que je connais pas tout de la gruyère. Mon Dieu, je pense que j'en ai pour toute ma vie à la connaître mieux. Ici, dans cette vallée, et partout dans la gruyère, avant, il existait les bonnets rouges. Les bonnets rouges, c'est une sorte de petit lutin, de petit nain, avec, comme son nom l'indique, un bonnet rouge. Et puis, c'était des servants, des paysans et des armaillés. Les bonnets rouges sont des grands travailleurs, mais c'est aussi des petits farceurs. Ils aiment bien faire des petites farces de temps en temps, mais toujours assez gentils. Mais comme ils sont une bande, comme ça, comme une bande de copains, ils aiment bien toujours faire quand même quelques petites crouilleries. Ils sont vraiment pas très grands, hein. Vraiment, ça tient dans une cuillère à crème. Par contre, si on oublie de leur dire merci quand ils ont fait tout leur service dans la journée, si on oublie d'être reconnaissant envers leur travail, ils peuvent se montrer très, 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 très méchants. Si le petit nain, il t'aide à éplucher tes légumes, eh ben, en retour, le soir, tu vas lui donner, ils adorent, c'est des gourmands, hein. Il faut leur donner un peu de double crème, un petit peu de vin cuit dedans pour qu'ils puissent faire des dessins dans la double crème, et puis peut-être un ou deux fruits secs, et puis si on a encore un petit reste de gâteau aux pommes, on lui met avec. Puis le petit nain, mais il est content, le bonnet rouge, et du coup, il revient donner un coup de main le lendemain avec une patate pas possible. C'est quoi cet énergumène ? J'ai fait sortir une petite bête, vous la voyez là ? Faut essayer de pas les écrabouiller dans la pâtée. Hop ! Alors j'ai fait une formation d'instit à Fribourg. Et puis après j'ai fait une formation pour être prof de dessin. Je me sens relativement proche du monde des enfants parce que je pense que j'ai laissé une grande part de gamine au fond de moi déjà. On est à la dimension des montagnes ici. Hein? C'est curieux, un enfant, ça s'émerveille. Et puis c'est cette capacité d'émerveillement et puis de trouver des choses un petit peu partout autour d'eux quoi, qui me plaît énormément.
En 2004, les éditions Gruyériennes m'ont proposé d'illustrer la réédition du bouquin « Les légendes de la Gruyère ». Alors j'avais assez peur au début d'attaquer ce travail. Quand on me l'a proposé, en même temps, c'était une grande joie. Et puis je me suis dit « Oh, c'est génial !» Et puis surtout, moi, je pensais tout de suite au bonnet rouge et puis ces petits lutins farceurs de mon enfance. Et puis quand j'ai relu les histoires, j'ai vu que justement, il y avait toutes ces histoires de diables, des histoires avec beaucoup de morale, avec le poids de la religion qui était très... quelque chose de lourd, quoi. Et puis je me disais « Ouh là, t'avances sur un terrain qui est quand même délicat, quoi. » Alors, puis bon, après, il faut lâcher tout ça, puis se dire « Ben voilà, moi, je vais montrer ma vision, et puis faire un pied de nez aussi à tout le poids du passé, et puis raconter... là où ça me travaille, ces histoires-là. » On comprend tout de suite pourquoi il y a une histoire qui tourne autour de ce lac. Parce que ce lac, c'est comme un grand œil, comme ça, très profond. Puis en plus, on nous a tout de suite raconté l'histoire. Je pense que l'une des premières fois que j'y suis allée, on m'a raconté l'histoire des spectres qui émergeaient, qui étaient vomis par ce lac les nuits de la Saint-Jacques et aux Quatre Temps. Ça va? Ça va bien, et toi? Ça va bien? Oui. Un peu gruyère. Mais oui, ça se promène. Je vais voir ce qui se trame par ici. Oh, je ne trame pas grand-chose, tu vois. Des affaires de cœur entre Saint-Théodule et la sacristine de l'église. Je viens compter les cloches aussi. Voilà, justement, je voulais dire, tu viens voir tes amis, tes grandes amies. Gisèle, c'est... à l'image de ses illustrations, de ses dessins, de sa voix, de son sourire, c'est un petit lutin, c'est un oiseau, c'est des ailes d'ange, c'est un phénomène, c'est une fée. Elle sait tellement bien exprimer les choses qu'on aimerait nous pouvoir dire ou exprimer par un coup de crayon, par quelques notes de musique. Elle est brave, elle est saine, elle a une belle philosophie et puis elle est fidèle. Mais elle est avant tout ma nièce. Non, on ira sous l'Immaculée. Sous l'Immaculée, elle est plus impressionnante. Ouais. Le premier carillon a été posé par le grand-oncle Toby aussi, hein. Bah, les cloches, c'est un peu les figures un peu ancestrales, comme ça, pour Absolument, moi. Absolument, ouais. 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 Parce qu'elles ont la tête, elles ont le cerveau, elles ont la robe, elles ont la patte. Ouais, absolument. Et puis, il y a beaucoup de sensualité aussi dans la cloche. T'es d'accord? Quand tu les prends, ou bien qu'on va se cacher dessous, justement, pour se dire nos petits secrets. Les cloches, elles ont une âme, oui. Ben déjà, elles ont été baptisées, elles portent un nom, là aussi. Elles ont une parole, elles ont une voix qui leur est propre. Et puis, c'est des espèces de... C'est nos petits drapeaux de prière tibétains. C'est déjà ce qui est inscrit sur elles. Le message qu'elles portent, le moment où elles sonnent, dans l'ordre où elles sonnent, elles racontent quelque chose, elles vont répandre leur message dans l'air jusqu'aux montagnes. Et puis après, il y a tout ce que nous, on peut y mettre de non formulé. J'aime bien parce que c'est des prières qui ne sont pas formulées et puis elles sont juste vibrantes. Thank you.
En Gruyère, j'ai plusieurs petits coins que j'aime bien retrouver à l'occasion. Et puis la Part-Dieu, c'est un coin un petit peu retiré, comme ça, un petit peu secret. C'est une ancienne chartreuse. Il y a quelque chose d'assez raffiné, comme ça, une élégance. Elle est élégante, la Part-Dieu. Et puis en même temps, elle a le côté sauvageon. Parce que du fait qu'elle a été abandonnée, comme ça, la nature a repris ses droits. Et il y a la mousse qui est revenue sur les cellules qui se sont détruites. Il y a les hirondelles qui passent à travers les couloirs. Et puis du coup, il faut baisser la tête. Les toits sont habités par des petites ailes de chauve-souris. Et j'aime ce mélange. Alors ce mélange-là peut-être me correspond. Ou en tout cas, c'est là que peut-être je m'y reconnais. Je gagne ma vie en dessinant. Mais aussi en chantant, c'est un petit peu la cigale et la fourmi. Il y a d'un côté la musique avec le groupe Norn, et puis de l'autre côté la vie d'atelier. Qu'est-ce qui unit les Nornes? Je pense que c'est notre attirance, les trois, pour un espèce de mystère, une certaine mystique, je dirais, mais dans le beau sens du terme, tout ce qu'il y a de mystérieux et qu'on ne peut pas expliquer comme ça, noir sur blanc, ça nous attire. Et évidemment, on le trouve très très fort dans la nature, on le trouve très fort dans des endroits comme dans la Part-Dieu. Ce rapport au passé-présent et toutes ces questions qui n'ont pas de réponse. Dans les Nornes, on incarne trois personnages. Et Gisèle, elle incarne le présent. Il y a le passé, le futur et le présent. On chante dans une langue inventée, elle se met des images dessus. Et du coup, c'est extrêmement utile parce que après, quand on est en spectacle, quand on construit le spectacle, elle amène plein d'idées de comment être dans... comment incarner, en fait, ces musiques. Moi, je vois pas une grande différence entre Gisèle sur scène et Gisèle dans la vie. Elle est ça. Mais voilà, on dit lutin, puis je pense que c'est plus large que ça. C'est une femme aussi. Et c'est une très belle femme. Elle pourrait sortir d'un chêne, apparaître comme ça. Je la vois bien vieillir là-dedans aussi, devenir une espèce de sorcière comme ça, avec plein de petits trucs qu'elle peut donner aux gens autour d'elle qui ont oublié ce que c'est de vivre près des arbres.